pour Sophie. Voilà. Un tout petit peu que je goûte. Donc, on est en plein fruit. Donc, on est à 50% de mangue. Et là, normalement, vous devez avoir l'impression de croquer la mangue. Dans la texture du produit. Ah oui, c'est vrai. Ça, ça a été aussi une préoccupation, c'est-à-dire de se rapprocher le plus possible du fruit à travers la purée de fruits. On a cette sensation de croquer le fruit aussi avec l'abricot, par exemple, l'abricot du Roussillon, où on a un petit peu ce côté râpeux qui est super intéressant. Et puis, on a la poire William. Je regarderai ça. Ça doit être bon, ça. Ah ben, je l'ai peut-être là. On va ça, peut-être... C'est pas la mangue, c'est pas trop... Ah oui, avec plaisir. Le fruit, je mange dans la salade de fruits, et comme ça, en glace, non. Donc là encore, sans colorant, sans arôme artificiel, on est sur vraiment le produit pur. C'est trop bon, hein. Rodolphe ? La mangue. Moi, j'en mange pas trop pourtant en fruits comme ça, mais là, c'est bon. On dirait du fruit caramel. C'est ça. C'est l'idée. On dirait plus que... Très bien. Très bien. Voilà. La confiture de lait, la soufflée.